Bonjour à tous, c'est 100% série indienne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une top 5, les femmes les plus courageuses dans les séries indiennes. Alors, il y en a des femmes, mais les choix n'ont pas été faciles. Mais bon, il faut faire des choix. Et sachez que c'est un choix personnel et vous pouvez vous faire votre choix. Alors, c'est parti. Numéro 5, Vidya. Alors, si vous regardez Vidya, vous saurez que c'est une femme qui a énormément souffert, notamment par des causes de sa belle-mère, des personnes qui l'entourent, des coups bas. Donc, franchement, si vous n'avez pas regardé cette série, allez-y. Enfin, si vous n'aimez pas trop souffrir, je vous le déconseille parce qu'elle a trop souffert. Voilà, alors la prochaine. Le numéro 2, elle s'appelle Swani. Elle a joué dans Swarg avec Shub, ma série préférée. Donc, elle aussi, elle a énormément souffert, notamment à cause de son premier mari, etc. Avec des coups bas aussi, pareillement. Mais c'est une femme courageuse, elle ne se laisse pas faire. Donc, franchement, allez-y. Cette série, c'est une pépite. Allez-y, foncez, regardez. Je vous le conseille à 100%. Vous n'allez pas être déçu, je vous le promets. Alors, pour moi, troisième place, j'ai dénommé Vaidehi. Alors, cette femme, faut vraiment... Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Elle est célèbre. Elle a aussi joué dans Un Amour Sans Limite. Aussi, là-bas, elle était incroyable. Mais dans Vaidehi, elle était encore plus courageuse. Donc, allez-y, elle a souffert, mais elle ne s'est pas laissée faire. Alors, pour ma deuxième place, je le donne à Indira Sharma. Cette femme incroyable, et toujours qui donne des ordres autoritaires. Je pense que vous connaissez tous sa famille. C'est pas une mince affaire. Donc, franchement, pareil, cette femme, elle est incroyable. Elle est courageuse. Elle a souffert aussi à cause de sa famille. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Pour finir, ma première place, je le donne à Shri. Je pense que vous la connaissez tous, donc inutile de vous la présenter. Cette série, c'est une classique, donc allez le regarder si vous ne l'avez jamais vu. Alors, c'est une femme qui a affronté des esprits, je peux pas vous dire comment elle est assez courageuse pour affronter tout ça, en plus toute seule. En plus, dès le début, on se croit tous que c'est une femme faible, innocente, mais vraiment, elle est époustouflante. Donc, c'était mon top 5. J'espère qu'il vous a plu. Alors, donnez-moi aussi votre top 5 dans les commentaires. Merci beaucoup. Salut.